Salut à vous tous, amis de la Vape, c'est Noémie. Et oui, aujourd'hui, petite revue liquide. Je vais vous présenter trois liquides d'une marque que je ne connaissais pas jusqu'au Vape Expo, que une personne très très bien m'a présenté à ce moment-là. Et donc, il m'a fait goûter les liquides de cette marque, j'ai adoré. Il m'a dit que je n'étais absolument pas obligée de faire une revue dessus, mais moi j'y tiens. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais vous présenter comme liquide ? Les liquides de la marque Solana. Voilà, donc ça, ce sera le thé pêche que je mettrai dans mon tsunami. Voilà. Ensuite, il y aura le fruit des bois que je mettrai dans mon mutation V4S. Voilà, pour le fruit des bois. Et ensuite, il y aura la boule coco pour mon freak show. Voilà, voilà. Donc, on va commencer parce que je vapais déjà juste avant, c'est-à-dire là, le thé pêche. Je remets un petit peu sur mes coils avant de me taper un dry hit. Alors, venez là, mes grands. Voilà, venez, voilà. Et de 1. Voilà. Une merveille. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont bons. Vraiment, vraiment des tueries, ces liquides. Donc, je suis en 0,17 ohm à 80 watts. Quelqu'un a soif? J'ai un iced tea si vous voulez. Déjà, vrai hit. Hein. Pour les personnes en 3 mg de nicotine, moi, c'est vrai que là, je commence à diminuer un peu mon dosage nicotiné. Le 3 mg, on le sent bien. On le sent bien. Belle vapeur. C'est un 50-50, mais très belle vapeur. Et le goût, c'est de l'ice tea. Voilà. Donc, ils disent thé pêche. Pour moi, c'est clairement un thé pêche. Voilà. C'est un ice tea. C'est un très bon liquide. Bah, ça se vape sans la moindre difficulté à partir du moment où on aime la pêche. Voilà. J'ai moins... Non, j'allais dire j'ai moins le goût du thé, mais non, à l'aspiration, on a vraiment... À l'inspiration, pardon. On a vraiment la pêche, mais dès qu'on l'a un peu en bouche et qu'on expire, là, on a vraiment l'ice tea, mais pur et dur. Très, très, très bon. Vraiment un très bon liquide, cet ice tea de la marque Solana. Voilà, donc ça, c'était le premier. Après, les avis de liquide, hein, c'est toujours... nos avis personnels, c'est-à-dire ce qu'on en pense nous. Hein. Mais moi, personnellement, celui-là, je l'aime beaucoup. Voilà, ensuite, deuxième. À la suite, on va mettre un peu boule coco. Là, je suis avec mon freak show en 0,41, donc je vais carrément baisser le wattage. Hop. Je vais me mettre allez, à 50 watts. Voilà. On va mettre un peu de liquide dedans. Chaque fois, je les ferme comme une tarée. Résultat des courses, j'ai du mal à les ouvrir. Hop, voilà. Donc, le petit boule coco de chez Solana. Bonne petite marque, hein, Solana. Franchement, ils font de bons liquides. Voilà, voilà. Testons. Airflow ouvert à moitié. Sur celui-là, j'aime bien les ouvrir à moitié, les Airflow. Donc en 0,41, 50 watts. C'est bon. Je vais baisser un tout petit peu le wattage. 46. Mais c'est bon. Hit toujours bien présent. Vapeur toujours bien présent. Et des boules coco.
Voilà, ils disent que c'est des boules coco, c'est des boules coco. Ça, c'est clair et net. Quand on, je sais pas si vous les connaissez, je sais pas si vous aimez, mais au restaurant chinois, ils ont des petites boules coco. C'est très très bon et c'est vraiment typiquement le même goût. Ouais, c'est bon, c'est bon. Bon liquide, hein. Voilà. Bonne petite marque, bon petit liquide. Clairement des liquides qu'on peut vaper pendant la journée sans problème, sans être écœuré. Plaît bien ça. Ça me plaît bien. Troisième, on avait dit qu'on allait tester le fruit des bois. Alors, je suis très dans l'espoir. Celui-là, je ne l'ai pas testé. Je suis très dans l'espoir du fruit des bois. Bon, je l'avais testé avec lui, mais je ne l'ai pas, je l'ai pas retesté depuis celui-là. Parce que j'aime énormément le fruit des bois. Pouf. Donc là, je suis en 0,24, single coil. Ça m'a l'air pas mal du tout. Voilà. Très très bon ça. Ça sent très bon. J'allais refaire ça en fait pour refermer. Hop. On s'en fiche. Le téléphone il sonne. Il sonnera. Voilà. Airflow ouvert à moitié. Hop. On y va. Donc là, je suis en 0,23 ohms. Et je vais monter un peu le wattage. Je vais me mettre à 56 watts. Voilà, voilà. On y va, on teste. Ouh, que c'est bon. Ouh, que c'est bon. C'est vraiment les fruits des bois, mais j'ai un goût plus marqué. Cassis. Ouh, j'adore. J'adore celui-là. Franchement, j'adore. Vraiment délicieux. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus sur ces liquides. Juste que voilà, ils donnent des descriptions. Ils disent que c'est soit fruits des bois, soit boule coco, soit iced tea pêche. Franchement, bah, c'est ce qu'ils disent. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'est de bons petits liquides, c'est une bonne petite marque. Je vais les vaper sans difficulté. À mon avis, ils vont pas faire long feu. Donc voilà, merci beaucoup à la marque Solana. Merci beaucoup à Mika de me les avoir fournis. Je vous souhaite à tous une très bonne vape. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao, prenez soin de vous.